Bonjour à tous, aujourd'hui je commence par la deuxième vidéo ou deuxième partie d'un projet PFA ou PFE. Comme je veux voir le vidéo précédent, je fais faire introduction, modélisation de la poudre et chargement. Dans cette partie de chargement, je fais d'abord je fais un petit tableau pour faire les différents types d'un dalle plein. Maintenant, j'ouvre Excel pour faire un petit tableau pour les différents types d'un plancher. D'abord, pour ouvrir ce tableau, par exemple, la première couche. Carrelage. Deuxième couche. Par exemple, on a plusieurs types de tableaux. Type de dalle pleine, dalle accessible en et dalle inaccessible. Par exemple, je vais avoir un petit plancher. Par exemple, je vais avoir, par exemple, dans ce PFE là, on a premièrement protection, deuxième lit de sable, lit de sable. Troisièmement, étanchéité. Étanchéité. Quatrièmement, mortier. Puis forme de mortier ou forme de pente. Cinquièmement, forme de pente. Sixièmement, je fais faire septièmement, puis sixièmement. Septièmement, c'est un cloison, c'est-à-dire cloison légère, par exemple. Cloison. Cloison légère.
Sixièmement, corde de plancher. Corde de plancher. Et c'est-à-dire G en kN, par exemple, G en kN. Mètre carré. Cette différentes couches de corps plancher ou de coupe transversale, c'est-à-dire désignation, épaisseur en mètres. Gamma kilonewton mètre au cube. Puis gamma en mètre au carré. Je fais un petit tableau. Et voilà. Voilà mon tableau. Puis protection de maximum, par exemple, 4 cm, je veux en centimètres. Lit de sable entre 2 et 5 cm, je ne pas supérieur à 5, donc je choisis 4 cm. Étanchéité, exemple 2 cm. Mortier, par exemple, 2. Forme de pente, par exemple, 10. Forme de pente décroissante entre 2 et 10 cm, ou bien 4 à 10 cm. Corps plancher, ou bien cloison légère, 1,5. Parce que terrasse inaccessible. Corps plancher 16 plus. Je choisis par exemple 16 plus 16 plus 5.
Je fais un petit tableau pour faire les différents types de corps planchers. 16 plus 5, 21. Maintenant, je vais calculer la protection en gamma que le Newton mètre au carré. Je fais maintenant un petit schéma sur AutoCAD pour faire dessiner la protection, les deux sables, les tangentiels, mortier, forme de pente, cloison léger, corps plancher. Maintenant, je vais ouvrir nouvelle fenêtre dans l'AutoCAD. Propriété de calque. Par exemple, premièrement, protection, protection. Deuxième calque, deuxième calque, lit de sable, troisième calque, étanchéité. Quatrième calque. Mortier. Cinquième, forme de pente. Sixièmement, corps plancher. Et septièmement, le cloison légère. Je fais changer les couleurs. Par exemple, couleur là et là. Étanchéité cette couleur. Morti. Forme de pente bleu, cloison légère, cloison légère,
cette couleur là. Mortier, par exemple, voilà. Et bien sûr, calque fin. Je choisis cette couleur. Calque de cotation. Cotation. Et calque for. Par exemple, cette couleur-là. J'ai terminé ici. Maintenant, je fais élaborer le Zenity. Ou je fais vérification le Zenity ou rectifier le Zenity de l'AutoCAD unité. Décimal, ok. Précision, ok. Précision, degré décimal, millimètre, non. On fait en mètre. Ok. J'écris le calque fin. L, ligne. Et je dessine. F8, hop, décalé par 1 mètre, je dessine une coupe de corps plancher, ligne entrée, décalé. Et j'ai dessiné par les différentes couches de corps plancher. Protection, je choisis par exemple 0,4 mètres. Puis lit de sable 4, je m'excuse, lit de sable 0,04 cm. Voilà, l'étanchéité, je choisis dans mon tableau 2 cm, donc 0,02, 0,02, voilà, l'étanchéité, le mortier 2, cette couche-là, protection, les deux sables, étanchéité, mortier, 0,02, voilà, forme de pente 10,01, je m'excuse, 0,0, 0,01.
10, voilà. Je supprime cette couche là, voilà. Puis décaler, ok, pas décaler. Par mortier corps plancher, je choisis corps plancher 21, voilà, numéro 6 corps plancher 21, donc 0,21, voilà. Puis corps plancher, puis numéro 7, cloison légère 1,5. Donc 0,015, voilà. Voilà. Maintenant j'ai terminé. Et je fais le dessin pour le mortier. L entrée. Voilà. F8. Pour faire la forme, voilà, hop, je supprime entre, je supprime là, je veux décaler par exemple, voilà, décaler par 0,02, voilà, et faire ligne entrée, la forme de pente, voilà. Maintenant je supprime cette ligne là, supprimer, voilà. Et cette ligne là, voilà, cette ligne là je supprime, voilà, c'est un coupe transversale. Maintenant je fais faire corps plancher. Et on a le coupe.